Ah mais oui, il va dire. Ah, il gratte aussi. Loulou, t'es sérieux ou quoi là? Maman, regarde Loulou ce qu'il fait. Eh bien bonjour à tous, comment vous allez? Aujourd'hui je suis avec... Milou, fais quelque chose. Bah, allez. Donc voilà, je vous présente Milou. Voilà, je vais le mettre ici. Alors voilà, Milou est mon petit chien. Donc c'est un petit chihuahua. T'as pas l'air bien, hein? Allez. Bref, aujourd'hui du coup, comme vous aurez pu comprendre dans le... Wow, par contre les poils c'est pas trop ça, hein. Oui. Comme vous aurez pu comprendre aujourd'hui dans le titre et dans la miniature de cette vidéo, je vais tester mes chiens pour voir s'ils sont sportifs. Aussi, est-ce qu'ils sont chauds ou pas? Ok. Moi j'ai déjà un doute sur l'un des trois, parce que oui j'ai trois chiens, trois chihuahuas, vous allez voir, je vous montre ça là-haut. Après je vous ai montré qu'un seul parce qu'il était pas loin. Enfin non, en fait c'était juste pour vous faire rester toute la vidéo parce que je trouvais ça mignon de vous le montrer au début. Quel enculé ce mec, putain. Du coup je voulais savoir aujourd'hui quel était... Bah tu me gênes pendant que je tourne ma vidéo là quand même. Bah let's go, on y va. Allez, let's go la team, on se retrouve là-haut, c'est parti pour le cirque, let's go. Bon, déjà tout d'abord je vous présente les trois loustiques. Donc là nous avons Milou, Chouchou et le loup. Voilà, on recommence déjà, on commence carré. Et là nous avons le quatrième chien. Bon du coup ma mère m'a acheté du PQ. Merci maman. Merci. Bon du coup comme vous aurez pu comprendre, je vais construire genre une muraille de Chine. Enfin peut-être pas quand même, mais ici, entre là et là. Du coup je vais mettre du PQ à chaque fois au fur et à mesure de plus en plus haut. Comme ça on verra s'ils sont chauds ou pas, tout simplement. Ok, on verra quel est le plus chaud entre eux. Faites vos paris tout de suite dans le petit sondage qui s'affiche ici en haut à droite. Vous pensez que ce sera Milou, Chouchou ou Loulou qui va réussir ce challenge? Le petit, le moyen ou le gros? Bon, ne misez pas trop sur le gros, je pense qu'il y a... Ça se fait pas, c'est pas très gentil ça. Je compte sur vous, hein, parce que sinon je vais vous niquer. Mais bah écoutez, let's go, on commence cette dinguerie, let's go. Les candidats sont Milou, Chouchou et Loulou. Ok, on va commencer doucement avec juste une rangée, ok. À tes souhaits. Ok, bon, du coup pour les amadouer, j'ai simplement ça. Et ils viennent tout de suite. C'est pour qui ça? Vous en voulez? Ok, pas de soucis. Reculez. Allez, tiens Milou, viens. Tiens Milou. Allez, tiens. C'est une blague Milou là. Maman, ça suffit là. Voilà, c'est bien. Check. Allez. Voilà, il a sauté. Voilà, voilà. C'est bien les gars. Allez, on augmente un peu le truc. Donc cette fois-ci, on va en mettre deux étages. Regarde Milou comme il me regarde. Allez, allez, viens. Viens Milou. Allez. Est-ce qu'il va réussir les deux maman ou pas, tu penses? Allez, allez, t'es là, allez. Alors, qui veut le premier va sauter? Allez. Allez, viens, tiens. Allez, venez. Allez. Tiens Milou. Si la maîtresse est là, il vient. Allez. Allez. Allez Milou. Il y a deux rangées, vous allez niquer ma vidéo. Tu vas. Allez, allez. Chouchou. Non, 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 Loulou. Il triche. Allez. Allez. Oh Loulou, il va dire. Oh, il gratte dessus. Loulou. Le jambon. T'es sérieux ou quoi là? Arrête de tout niquer là. Peut-être qu'il faut un entraînement, regarde. Tu le prends. Ta-da, ta-da. Allez, tout seul. Allez. C'est quoi ces chiens? C'est des cas désespérés là. Ah, il a fait tomber un rouleau. Loulou, il faut faire. Hop. Et hop. Allez. Hop. Voilà. Hop. Hey, Loulou, il vient de sauter là. Sérieux? Ouais. Loulou, oui. Il crame son esprit. Loulou, c'est en jouer. Allez. Oui. Oui. Presque. Loulou, il a triché. Non, Loulou, t'es croupe tout. Non, 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 non. C'est une catastrophe. Allez, Loulou. Non. Loulou, lui, c'est un tricheur. Allez, on passe tout de suite à une étape supérieure là. Là, on rigole plus là. Milou, je compte sur toi. Je veux même plus là. Mais si, il va y aller, Milou. S'il est tout seul de l'autre côté, il va venir. Ah oui, il va venir, t'as raison. T'as Milou. Allez, Milou. Pourquoi vous êtes nul comme ça? Non, tu me lèches pas. Milou, allez. Milou, allez. Allez, Milou, viens. Milou. Allez, Milou. Allez. Allez, Milou. Tricheur. Bon, écoutez, le PQ, c'est une mauvaise idée parce qu'ils arrivent à tout défoncer en fait. Tu montreras comment ils défoncent. Donc, on va prendre autre chose. Parce que bientôt tu vas bientôt partir pour l'action et chez le docteur. Voilà.
Maman, regarde Loulou ce qu'il fait. Quoi? Il a été dans le truc. Ah Loulou. Voilà. Allez, venez, allez. Attends, je suis sûr qu'on est presque à la moitié de la vidéo, donc si tu es nouveau sur la chaîne, enfin, je sais pas si je suis vraiment presque à la moitié de la vidéo, si je suis pile à la moitié de la vidéo, je suis le boss, et dis-le moi en commentaire, tu peux vérifier, ça me ferait plaisir. Enfin bref, si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir, et crois-moi, sur la chaîne on fait beaucoup de choses, on fait du divertissement, de l'humour, comme tu peux voir, je fais des trucs avec mes clébards, donc vraiment, il y a un peu de tout, je suis sûr que ça va t'intéresser, je suis sûr que tu vas bien aimer, t'as qu'à demander à la communauté dans les commentaires, ils sont adorables, c'est les meilleurs d'ailleurs. Donc voilà, merci à toi si tu le fais, ça me ferait super plaisir. Je vous laisse sur la suite de la vidéo, vous allez voir mes chiens, après ils ont fait des trucs de ouf, ils ont sauté genre un mur haut comme ça, je vous jure c'est pas vrai. Absus révélateur. Je vous jure c'est vrai, vous pouvez poursuivre la vidéo. Je vous laisse ici, bisous, à tout de suite. Hop, allez, viens chouchou. Tiens, allez. Chouchou. Voilà. Bon, pour l'instant on a un chouchou du coup qui a réussi à monter, qui a grimpé le plus haut pour l'instant. On va mettre Milou pour voir s'il arrivera à grimper. Milou, viens là. Allez. Toi t'as pas sauté toi, tu veux? Va-t-il réussir? Va-t-il réussir? Allez, viens Loulou. Voilà. C'est bien. Bon, on va monter le niveau pour Chouchou. Parce que Loulou, je vois qu'il est vraiment trop gros, le pauvre, il va se faire mal. Milou, il est classé hors compétition alors qu'au début, il était premier. C'est ça qu'il faut se rappeler. Donc maintenant, on verra si Chouchou va baiser le game ou pas. On va tester ça tout de suite. Petite merde. Allez, viens. Bon, vous avez bien aimé le petit jeu d'aujourd'hui? Est-ce que t'as bien aimé? Vous avez bien aimé? On se calme. Tu vas t'en souvenir toute ta vie cette journée. Aïe, tu meurs, petit con. Énerve-toi, allez. Bon bah voilà, écoutez, j'ai tout fait, j'ai essayé vraiment et c'était très compliqué. Je savais déjà avant de le faire, je savais que mes chiens sont comme moi en fait, sont un peu craintifs, ils ont peur un peu de tout. Donc voilà, ils sont comme leur maître quoi. Donc voilà, franchement vous auriez pu faire un effort hein, non? Bref, j'ai arrêté ici parce que ça devait être horrible déjà de 1 et de 2, je voulais pas qu'ils se fassent mal. Parce que voilà, à un moment je voyais qu'ils grimpaient sur les trucs et tout, je voulais pas qu'ils se fassent mal, c'était pas le but. Je voulais juste rigoler avec eux et voir un peu leur performance tout simplement. Et du coup même imaginez-vous que vous avez très très faim et qu'en vous tend un Burger King, un burger loin de vous, mais vous avez un mur hyper grand que vous n'arrivez pas à gravir quoi. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant, donc j'ai arrêté là parce que voilà, le but n'est pas non plus de frustrer mes chiens et ne pas maltraiter mes animaux juste pour une vidéo, tu vois. Donc voilà, donc j'arrête maintenant. Et puis voilà quoi, je les kiffe de ouf ces chiens, franchement moi je suis un mec, j'adore les animaux, c'est trop bien, genre ça fait une compagnie en plus, ça crée un truc de ouf. Enfin bref voilà, juste pour information, voilà, je sais pas si c'est important ou pas, il est 14h37 ok. Je sors la vidéo à 18h, oui on est mercredi hein, je l'ai tourné là tout à l'heure là avant que vous la regardiez. Si j'arrive à la sortir avant 19h, s'il vous plaît mettez dans les commentaires, tu es le boss, parce que le montage je pense qu'il est plutôt carré, ça va. Ah oui, très important, je vous explique, bientôt dans les jours à venir je vais faire une vidéo sur des canulars téléphoniques. Donc du coup j'ai besoin de vous, vous allez devoir m'envoyer sur cette adresse mail là, je sais je crée des adresses mail tous les jours. En gros vous allez devoir m'envoyer le numéro de la personne que vous voulez que je piège et ainsi l'histoire. Donc voilà, par exemple comme exemple vous pouvez tout simplement dire voilà, tiens le numéro de ma cousine Anthony, est-ce que tu peux lui faire genre qu'elle a gagné 100 millions d'euros à un jeu, je sais pas tu vois. Ça peut être marrant, du coup j'ai envie de piéger vos proches et pas des personnes que je connais pas, c'est nul tu vois. Donc ça peut vraiment être marrant, mais jouez le jeu, ne dites pas à vos proches ouais c'est Wargody mais tu fais genre que tu tombes dans le piège et tout. Non s'il vous plaît vraiment, ne prévenez pas vos proches avant, vous me donnez le numéro de vos proches que vous connaissez réellement. Pas juste un ami que vous avez vu il y a 2 ans, hein. Vraiment quelqu'un que vous connaissez bien, donc votre famille ou alors un super pote à vous, ou même votre copine ou votre copain, ça pourrait être super drôle. Et dans le mail, vous me dites vraiment ce que vous voulez que je fasse pour la blague téléphonique, ça peut être super marrant. Déjà, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, super important. Et puis voilà quoi. Et je pense que cette vidéo elle va plutôt être drôle. Bref, n'oubliez pas de me dire si vous avez bien aimé ce genre de vidéo avec mes clébards, avec mes cleps, tu vois. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Et dites-moi si vous voulez que je refasse une autre vidéo. Peut-être que je voulais faire une vidéo un peu à la Squeezie, vous savez, où il teste l'intelligence de ses chiens. Et peut-être que je le ferai avec mes chiens aussi. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi tout dans les commentaires. Mes chiens sont assez spéciaux. Enfin bref, d'ici là, n'oubliez pas la team, c'est très important. Tout le monde le sait, mais personne ne veut le dire. Je suis excité pour rien là ce soir, vraiment. Prenez soin de vous, la team. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage grâce à mes finances. Je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. Je veux beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage grâce à mes finances. Je perds pas mon temps.